Bonsoir Madame, bonsoir Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. On n'a pas vraiment de temps, du temps à perdre puisque le sujet est costaud. Moubimba Chima, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Gibab. Norbert Yamba Yamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Maître Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Alors, ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, la plupart de ces personnes se sont interrogées. Ils ont posé la question de savoir qui était éligible à cette appellation d'intelligentsia. Un étudiant m'a dit, mais moi je suis encore aux études, je n'ai pas encore terminé. Est-ce que je fais partie de ce que vous appelez pompeusement intelligentsia? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terme moins compliqué, moins cérébral? Alors, mes chers amis, essayons de trouver. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Essayons de leur répondre. Je commence par vous, Moubimba Chimba. Quel est le critère qu'il faut pour faire partie de l'intelligentsia d'un pays comme la République démocratique du Congo? Bon, intelligentsia, d'abord, la fois dernière, je crois, nous l'avions dit. C'est un terme qui vient de pays de l'Est, en passant par la Russie et tout ça. Les pays du bloc de l'Est de l'époque parlaient de l'intelligentsia, de la nomenclatura, etc. Bon, peut-être le terme a évolué. Mais ce que nous mettons dans l'intelligentsia, il y a au départ l'intelligence. Et je pense que j'ai eu, au cours d'une formation avec des apprenants, j'ai eu à élaborer un critérium d'une vraie intelligentsia en partant d'abord du premier élément, l'intelligence. L'intelligence, en fait, tout le monde, nous avons l'intelligence. L'intelligence nous permet de récolter les informations et de produire des connaissances en nous, que nous réservons en nous. C'est l'intelligence, dès que nous voyons quelque chose, dès que nous écoutons quelque chose, les cinq sens perçoivent le monde qui nous entoure et prend de cette perception de l'extérieur et emmagasiner des informations pour faire des connaissances. Les connaissances sont stockées quelque part. Mais pour que les connaissances soient stockées, elles doivent être élaborées. Et l'élaboration s'est faite au niveau du discernement. Le deuxième terme après l'intelligence, le discernement. C'est-à-dire, nous voyons maintenant cette information que nous avons eue. Elle s'apparente avec quelle autre information? Et dans quel domaine elle peut être utilisée? Quel rapport y a-t-il entre telle connaissance avec telle autre connaissance? Et quelle orientation que se fait à faire? Et dans quel domaine que je peux appliquer ces connaissances et ces informations? Mais au moment où je fais ces tri, je fais appel à une troisième dimension, c'est mon système de culture, mon système de valeurs. Parce que toutes les informations, je ne les prends pas pour les gober comme ça. Il y en a qui sont maintenant, arrivent, est-ce que ça je peux le dire en public? Ça je ne peux pas le dire en public. Est-ce que je peux dire dans ma famille en présence des enfants ou non? Alors, et tout ça, qu'est-ce qui me permet de dire je peux le faire ou non? C'est mon système de valeurs. Est-ce que ça peut m'aider à faire pousser, aller de l'avant avec ma famille, avec ma société, avec ma communauté, ou ça me fera régresser? Ça, c'est le système des valeurs. Donc, dès que j'ai l'information qui fait la connaissance, j'arrive à faire ce tri, à les classer, c'est qui est le discernement. Mais je le fais en tenant compte de mon système des valeurs, et à ce moment-là, dès qu'un problème se pose à résoudre un problème de société, je me pose la question, comment on va faire? Et alors, je vais faire appel à tout ça et pour élaborer la meilleure solution qu'il faut pour la marche de la communauté, pour le bien commun, le bien de tous, en tenant compte des obstacles en présence et de la situation en présence. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse. D'accord. Donc, intelligence, discernement, système de culture, et la sagesse. Et ça se tient. C'est d'accord. Est-ce qu'à la base de tout cela, il n'y a pas, parce que quand on traduit intelligence en français, c'est comprendre. Donc,
tout ça, il faut d'abord le comprendre. Oui, la compréhension justement, au moment où tu récoltes les informations, tout à fait. Tous les efforts, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, les cinq sens nous donnent ça. Alors, tu vas chercher à les combiner au niveau du discernement, c'est là, discerner, c'est là que arrive la compréhension. Merci. Norbert Yamba. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que la question de l'intelligentsia, c'est une question importante. Pourquoi ? Parce que depuis tout ce temps, elle a toujours été confondue aux diplômés d'université. Et lorsqu'on regarde la société avec le nombre et le volume des diplômés, entre-temps, les problèmes continuent. On s'est dit, mais avons-nous véritablement une intelligentsia dans ce tel ou tel pays? Et c'est là véritablement que le sujet devient intéressant. Je ne veux pas reprendre tout ce que disait M. Moubimba, mais je retiens une chose, c'est que lorsqu'on est dans la catégorie d'intelligentsia, c'est qu'on est intelligent. Et l'intelligence se perçoit au travers de sa capacité de donner des solutions concrètes aux problèmes qui se posent. Et ces solutions peuvent être données selon la capacité d'initiation de la personne qui donne ses réponses. A-t-il été initié dans son système de valeurs? À ce moment-là, il sera en mesure de bien maîtriser son environnement. Ou a-t-il été initié dans un autre système de valeurs? Sincèrement, M. Kibambi, nous tous, comme on est là, on a des diplômes, mais nous avons été initiés dans un autre système de valeurs. Ce système valeurs, on appelle ça un paradigme. Ce paradigme, le paradigme, très bien. Ça se fonde dans chaque société. Et le système de valeurs que nous avons appréhendé, c'est ce système qui est fondamentalement occidental, qui répond aux problèmes occidentaux. Raison pour laquelle, lorsque on est dans notre situation, entre-temps nous avons un autre système de valeurs, on essaie d'appliquer les solutions occidentales à nos problèmes, on ne trouve pas de solution et nous tournons en rond. Et là, je voudrais retenir une chose. Quand vous avez déjà été dans votre village, enfin, moi je suis semi-villageois, il y a toujours, pour prendre la parole au sujet de certains problèmes, on appelle ceux qui généralement règlent ce genre de problème. Tout à fait. Ça, c'est une véritable initiation dans cette famille-là. Et pour résoudre tel problème de mariage ou de séparation, on appelle souvent des vieux et ils font partie de l'intelligentsia. Tout à fait. Dans cette intelligentsia au village, c'est pas seulement les jeunes qui sont allés à l'école, mais parce qu'en fait, l'école ici, nous croyons que c'est une école moderne venue de l'extérieur. Non, l'école. Il y a des écoles ésotériques, il y a des écoles d'initiation dans nos sociétés, etc. Et il y a des gens qui sont initiés, par exemple, dans telle ou telle spécialité. J'étais dernièrement pour le compte de la Banque mondiale à l'Équateur, à Bikoro, pour résoudre les problèmes des conflits forestiers entre les riverains. Il y a un spécialiste qu'on appelle procureur au niveau du village, mais n'a jamais été à l'école. Lui connaît l'histoire, lui connaît tel village venu de tel endroit, etc. Les premiers qui se sont installés, qui sont les ayants droit, etc. Et donc, il y a un problème de conflit qui naît, lui est à mesure parce qu'il a la compétence nécessaire pour résoudre ce problème. Voilà. Mais quand vous prenez, par exemple, je ne voudrais pas parler de mon frère qui est juriste, etc. Lorsqu'il y va, parce qu'il est formé dans un autre système, il va reproduire ses articles, certes. Ces articles deviennent les nôtres, nous devons tous les respecter, mais ça crée toujours... Lui, il s'appuiera sur la Constitution. il tiendra pas trop compte des problèmes sociologiques, des problèmes anthropologiques, des problèmes historiques, etc. Il ne sait pas les combiner tous. Il va voir véritablement... Le travail avait déjà été fait pour lui. Enfin, voilà. Je ne vais pas parler. Maître Magala. Ouais, merci beaucoup. C'est ce que dit... Norbert, est vrai. Pourquoi? Parce que dans le groupe qu'on appelle l'intelligentsia, c'est un groupe qui se doit d'être d'abord hétéroclite.
de diversification des connaissances. Personne ne peut à lui seul porter cette capacité. Ce fardeau, oui. Parce qu'il faut différentes connaissances. Et au-delà de l'intelligence, comme a dit le grand frère, il y a des éléments qui font la différence maintenant pour arriver à ce niveau-là, parler d'intelligence, c'est cette conscience sociale et politique aiguë. C'est-à-dire que cette capacité à mettre son intelligence à la disposition de l'humanité, à la disposition des autres. Alors, les éléments qu'il avait déjà définis là, nous amènent à trouver certaines qualités qui découlent des critériums posés. C'est-à-dire que pour faire partie de ce groupe-là, au-delà de l'intelligence, il faut avoir la capacité d'avoir un travail mental actif. Vraiment actif et surtout une auto-éducation continue. À un moment, on ne peut pas se satisfaire des connaissances acquises. Il faut une éducation continue. Et une pratique peut-être. Une pratique. Au-delà, il faut aussi un patriotisme. C'est-à-dire qu'un patriotisme qui serait fondé sur la foi en son peuple. On ne peut pas vivre dans une société où nous continuons à dire que ce pays ne marchera pas. Non. Ce n'est pas normal. C'est la foi dans son peuple, dans les capacités de son peuple, et même un amour quasiment désintéressé qui vous amène à réfléchir pour le bien de celui-ci. Il faut aussi et surtout une indépendance d'esprit. Il faut une indépendance d'esprit qui ne vous laisse pas embrigader par n'importe quoi. Vous devez avoir confiance en vos capacités. Vous savez, il y a des gens qui ont le savoir mais qui ne le savent pas. Ils ont peur d'affronter leur propre savoir. Non, il faut connaître et être certain qu'on connaît. Et ce n'est que comme ça qu'on peut transmettre. Et enfin, une fidélité dans ses convictions. On ne peut pas être ballotté de gauche à droite et se prétendre faire partie de l'intelligence. Non, on doit avoir des convictions bien ficelées, avoir confiance en ses capacités et surtout avoir l'amour des autres. Mettre ses solutions à la disposition des autres. Je prends un exemple. J'ai aimé ce que disait un ministre que j'ai suivi sur le plateau de télévision. Il disait, quand nous amenons nos enfants à l'école en voiture et on voit les autres, les enfants de 8 ans qui ont le même âge que nos enfants en train de transporter des gros bassins d'oranges, on peut dire que les parents ont été défaillants. Mais quelle est la solution qu'on propose à ça? Pour être concret, quelle est la solution? Il ne faut pas que et les parents soient défaillants et la société assiste comme impuissante à ce qui se passe, alors que ces gens-là font partie de la communauté humaine. Et c'est là que l'intelligence doit intervenir. Quelles sont les propositions? Parce que il faut qu'on arrive au point de lier l'intelligence à une extériorisation des propositions, des solutions. On ne doit pas les garder pour nous. Quelles sont les solutions qu'on propose pour la société? Et c'est comme ça que moi je vois les solutions qu'on doit apporter. Oui, en réalité, il faut connaître le bien et le mal et essayer le plus possible d'aller vers le bien. Ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir des convictions, même si nous trichons, il nous arrive de tricher, mais savoir qu'on est en train de tricher. Et j'ai aussi aimé ce que vous avez dit, avoir foi en son pays, dans les capacités de votre pays de se développer et bannir le pessimisme. Parce qu'en fait, l'intelligentsia, on se met ensemble pour résoudre les problèmes de notre pays. On parlera des think tanks après, mais je voudrais à ce stade avoir un deuxième tour de table, monsieur Moubimba. Ouais, monsieur Kimambi. J'ai aimé ce que M. Yambayamba et Magala ont dit. Nous sommes en train d'évoluer dans la même direction. Je voudrais ajouter à ce que j'ai développé au sujet de l'intelligence, du discernement, du système des valeurs et de la sagesse, qui feront que le problème qui se pose et les solutions sortent de là. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces solutions aux problèmes qui sont posés? Ces solutions sont emmagasinées de nouveau pour servir de
bases de données. Et ensuite, plusieurs solutions, plusieurs bases de données sont stockées dans la mémoire collective, dans la mémoire des intelligents. Il y a les termes, par exemple, en PND, on les appelle pas seulement les Ngambi qui sont de juges de ceci, mais plus qu'il y a Ndimbaumanda. Ndimbaumanda ou Ndimba, c'est comme le chanteur, le chantre de la cour. Les chantres de la cour, ils ont formé autrefois. Bon, j'avais suivi un peu, une parenthèse pour qu'on comprenne mieux cela. J'avais reçu une petite formation là-dessus, mais ça n'a plus duré parce que les choses avec l'indépendance allaient autrement. Dans l'ancien temps, la cour, il y avait des gens qui avaient pour mission de raconter, répéter l'histoire de la dynastie et l'histoire de toute la tribu, répéter ça chaque jour à ceux que l'on forme. En Afrique de l'Ouest, ça continue. Vous faites des fautes, vous disparaissez. Et sur ces gens-là, on a Ndimbaumanda, les gens à qui on fait confiance, parce qu'ils ne peuvent jamais mentir. Ils ne doivent dire que la vérité. Et donc, une fois que nous avons mis les différentes solutions, ceux qui ont produit cette intelligence du discernement et la sagesse à travers le système des valeurs, ils gardent ça. Demain, il y a des problèmes, comme il a dit. C'est à lui qu'on fera appel. Il devient un référent. Parce qu'il a un système de référence. Toutes les solutions emmagasinées autrefois. Et toute la jurisprudence, pour ne pas parler comme le juriste de temps moderne. On fait appel à lui. Et il est le dépositaire de la sagesse. Et les gens, ils sont conscients. C'est lui qui a... C'est lui l'autorité. Il a autorité dans le domaine. Il est conscient que, un, il est le dépositaire familial, parce que s'il fait, il fait gaffe, il fait honte à sa famille, parce qu'on ne peut plus. On peut même dire, on prend dans la dynastie, dans cette famille-là, non, parce qu'un tel a fait tel gaffe. On met une autre famille. C'est une dignité sociale. Et puis il devient le dépositaire communautaire, un référent. On sait. Mais ici, le problème, comme mes frères venaient de le dire, nous n'avons pas de référent. Vous allez regarder, par exemple, dans toute la communauté, vous prenez tel domaine, je ne sais pas, vous pouvez prendre nous avons les trois pouvoirs, le parlement, l'exécutif et les judiciaires. On devrait avoir des gens qui ont grimpé les systèmes pour arriver au sommet, qui sont les référents communautaires. Quand il prend la parole, tout le monde devient nain pour l'écouter. Mais nous n'en avons presque pas. Non, c'est peut-être que j'exagère, mais j'ai l'impression. Voilà, c'est une impression, c'est qu'une impression. Je crois qu'il y en a. Mais on a l'impression que dans aucun domaine où des gens qui sont restés deux, trois fois ministres, rentrer dans le gouvernement, qui a eu une expérience à transmettre aux plus jeunes. Comme je me souviens un jour, Kamitatu Masamba avait dit à un jeune qu'on lui avait envoyé comme conseiller, j'étais chez lui, il dit, mon fils, c'est moi qui devrais être ton conseiller. Toi, ministre, moi, je te conseille en fonction de l'expérience que j'ai. Mais toi, tu viens à peine terminer les études, tu veux me conseiller sur base de quoi? Oui, mais le problème, c'est que lui ne quitte pas la place. Ok, ça ne fait rien. Mais je vous dis, là, il y a à boire et à manger. Vous pouvez prendre ce que vous pouvez prendre. Mais nous devons avoir des référents. Des référents dans tous les domaines. Quand le domaine journalistique, on dit il y a des gens, il y a des intelligences qu'on peut consulter. Il y a, par exemple, dans le domaine des anciens avocats, des bâtonniers qui sont restés, nous avons un problème, comment nous allons les consulter? Et on voit vraiment que ce sont des sources de connaissances. Des très bien, de choses. Très bien. Mais quoi qu'on a, vraiment, c'est difficile. Bon, on a l'impression que lui, il vient nous apprendre la culture pendée. Bon, moi, je prends ce que je peux prendre. Hein. Non, ne répondez pas à la culture. C'est une culture congolaise. Je vous donnerai la mienne aussi. Bon, alors, mes chers amis, ce qui vient d'être dit est important. On parle de référents. Mais on fait appel à quoi? Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, nous avons étudié dans un système, le système qui faisait de nous des répétiteurs de matière, nous en avons déjà parlé. Alors, on stocke toutes ces connaissances, on les stocke pour quoi faire? Parce qu'il y a
il y a une inadéquation entre l'école où nous avons été, formés, qui devait faire de nous ce que ceux qui nous ont donné cette école voulaient, et aujourd'hui, que faire pour créer l'adéquation? Cela nous permet véritablement de répondre à la question de savoir est-ce que tout diplômé fait partie de l'intelligentsia. Mais pour répondre à cette question, je voudrais faire référence à un proverbe de Tétela qui dit... Décidément. Dormir sur une natte d'autrui. Dites-le déjà qui Tétela s'est mis. Dormir sur une natte d'autrui suppose dormir par terre. Jamais prétendre dormir sur une natte d'autrui et dire que je suis endormi. Et donc, il faut chercher véritablement sa propre natte. Ça vous mettra à l'aise quand vous dormez. Très bien. Cependant, et c'est qui dormait. Tétela, ça dit comment? Ndala, le torodoto, le coco, ndala, le kete. Très bien. Ça veut dire que quelqu'un disait, jamais, M. Kibambi, on peut chercher le développement endogène en faisant des recherches sur les méthodes d'autrui. Et nous nous sommes véritablement trompés d'adresse. Jamais chercher des solutions que nous voulons adéquates si nous utilisons les règles d'autrui. Et donc, il faut aller dans la construction de la pensée autonome. Cette pensée autonome s'acquiert par la spiritualité authentique. La spiritualité authentique se ressource dans son propre environnement, M. Kibambi. Et je crois vous l'avoir dit l'autre fois. Imaginez qu'on soit à Ingende, on voit qu'on fait l'agriculture, on fait la pêche, la chasse. Et puis, on met la section littéraire, la pédagogie. Tous ces jeunes gens qui sont diplômés en pédagogie, en littéraire, ne connaissent même pas les activités qui sont faites, n'est-ce pas, dans leur milieu. Tout compte fait, ils viennent en ville pour constituer une armée de chômeurs de luxe. Vous voyez? Et donc, si nous allons continuer dans le paradigme occidental d'avoir des diplômes qui n'ont pas d'adéquation avec les besoins qui sont les nôtres, à ce moment-là, il ne faut pas s'entendre à quoi que ce soit. Première chose. Deuxième chose, M. Kibambi, lorsqu'on est dans le paradigme d'autrui, on n'a pas la fertilité de l'esprit, on n'a pas la capacité d'innovation, la capacité de créativité. Nous avons combien de diplômes? Nous avons combien de diplômes? Mais quelles sont les richesses? Et les richesses, on va les transformer comment si on ne faut pas importer la technologie extérieure? Entre-temps, la technologie intérieure, non seulement on vous la refuse, mais on ne peut pas vous donner la meilleure. Mais il va falloir effectivement qu'à l'intérieur, par exemple, de la République, on sache, vous dites, écoutez, ayons une intelligence utile. Si on peut générer des technologies, si on peut générer des sciences, aujourd'hui on parle de coronavirus. Cette maladie, ce virus qui décime les gens en Chine. Mais écoutez, nos pharmaciens pouvaient déjà interroger notre forêt sur superbe végétation pour dire telle plante peut répondre. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans un domaine où l'intelligence a mémorisé. Oui, tout ça a été déconstruit. Maintenant, il nous appartient de le reconstruire. On nous a même appris à ne pas aimer notre culture. Maintenant, il nous appartient de l'adorer, enfin, j'allais dire de l'adorer, je suis chrétien, de la rétablir. Voilà. C'est ça. De la remettre à sa place. Bien entendu. Merci. Est-ce que juste par rapport à ça, et cela, c'est un grand travail qui doit devenir véritablement une politique publique. Dans la reconstitution, dans la restauration, de cette conscience historique et potentielle. Et ça, il y a quatre composantes nécessaires qu'il faut réformer. Il y a la composante religion qui est une institution fondamentalement humaine. C'est pas Dieu, la religion. C'est pas la religion est différente de la spiritualité. Deux, l'école. Il faut revisiter l'école, lui donner d'autres missions
construire un paradigme, c'est-à-dire un modèle, une vision qui est fondamentale à la nôtre. Et troisièmement, notre organisation politique. Toutes ces données-là, M. Kibambi, sont des données importées. Et il y a un court-circuit parce que nous n'avons pas des pieds sur terre. Et ça, ce n'est pas un programme d'un mandat. Mais il faut construire une dynamique dans le long terme pour que petit à petit, on y insère et on construit la culture. Parce qu'en réalité, on est auréolé d'un prestige d'avoir été à l'université, mais on n'a aucune valeur ajoutée dans la société. Mmh. Notre société ne bénéficie pas de ce que nous avons été. Mmh. Raison pour laquelle, vous avez vu, on a tenté plusieurs fois. Gouvernement des technocrates, gouvernement des professeurs, gouvernement des spécialistes des sessions, des économistes. En termes de bon bondissement, rien du tout. Merci. Maître, on s'est peut-être égaré? Non. On ne s'est pas égaré du tout, on est dans le... Dans le bon. Dans le bon, parce que, en complétant ce qu'ils ont dit, ce qui manque surtout à nos intellectuels actuels, à nous intellectuels, c'est l'attitude critique qu'on doit avoir envers nous-mêmes, envers la société et envers les politiques, c'est-à-dire politiques du pouvoir et de l'opposition. On doit être à même d'avoir une attitude suffisamment critique pour conseiller et mettre de côté ce qui n'a pas marché. Essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles orientations. Vous savez, là d'où vient même le terme intelligentsia, je prends la Russie des années 1800. À un moment, l'empereur Nicolas estimait que toute la Russie, toute la population russe était avec lui sauf l'intelligence. Et c'était même considéré comme un mouvement d'opposition. Alors qu'il n'en est rien. C'est apporter de nouvelles solutions. Je prends aujourd'hui le pays. Nous avons essayé les solutions Banque mondiale et FMI. Ce n'est plus normal qu'on y revienne aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Et ça n'a marché nulle part. Ça n'a marché nulle part. Comment nous pouvons continuer à revenir sur des solutions apprises à l'université qui n'ont pas fait leur preuve? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est bloqué parce qu'on doit satisfaire le Fonds monétaire. Ce n'est un pays en guerre. Il attend un programme du Fonds monétaire. Soyons logiques. On doit pouvoir trouver d'autres solutions. Nous avons ces connaissances-là, tellement livresques, comme a dit Ashimba, qu'on a eu de l'université, de ceux qui nous ont donné ce qu'ils voulaient qu'on ait, qu'aujourd'hui tout le monde est fixé sur Inga 3. Mais ce n'est pas normal, c'est un programme qui demande des milliards. Alors qu'on peut faire ça dans chaque village, on met une petite centrale hydroélectrique, et tout le pays a le courant. C'est-à-dire qu'avec des petits programmes de 100 000 dollars, que les provinces même peuvent prendre en charge, on serait plus avancé que de nous mettre à attendre Inga 3. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se poser la question de dire aujourd'hui comment il y a autant d'aveugles sur le, oui, boulevard, le boulevard qui sont conduits par leurs enfants, ce qui fait deux aveugles parce que même l'enfant là n'étudie pas, et nous sommes là en train de les chasser. Dire que c'est de la sorcellerie. Non, on doit pouvoir produire des solutions. Pourquoi ces aveugles-là ne sont pas pris en charge? Pour qu'ils libèrent leurs enfants. Et d'ailleurs, ce n'est pas normal. Si notre école était adaptée à notre situation, on aurait même trouvé les causes. Parce qu'il est plus facile de rechercher les causes dans une situation que vous maîtrisez, dans la langue que vous maîtrisez, et la mettre à la disposition. Mais si nous devons nous référer à nos syllabus pour trouver des situations des aveugles ici, alors que peut-être dans un coin de la République, on y avait déjà réfléchi, il y avait beaucoup d'aveugles, ce sera difficile. N'est-ce pas, Ashimba? Oui. Je prends la préoccupation de nos amis Yambayamba et Magala pour dire ceci. Au fait, ce que nous déplorons là, et c'est la faiblesse de la génération en cours qui passe maintenant. Ce n'est pas de tout le temps. Parce qu'il s'est posé des problèmes par le passé. C'est vrai que le système scolaire, il nous est imposé, les modèles de gouvernance, toutes les structures. C'est d'ailleurs, la Constitution a été faite dernièrement en 2006 ici, sur le modèle français et tout ça. Mais il y a eu, j'ai deux références, une source, des théories
La première théorie, les deux théories, il y a la théorie de Malula, le cardinal Malula, et la théorie de Mabika Kalamba. La théorie de Malula, du cardinal Malula, c'est l'inculturation. C'est-à-dire que tout ce que nous avons appris ailleurs, lui, il a parlé notamment de la religion, tout ce que nous avons appris ailleurs, c'est très bon, mais nous voulons le faire couler dans le moule de notre façon, de notre vision du monde. Voilà. L'inculturation. Là, évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais il y a des corrections à faire de part et d'autre. La deuxième théorie, c'est la théorie de la remise en question, base de la décolonisation mentale de Mabika Kalanda. La remise en question, c'est quoi? C'est-à-dire, nous remettons en question à la fois notre propre culture bantou et la culture occidentale que nous avons acceptée. Et une fois que nous avons remis en question, et nous prenons maintenant les éléments triants ici pour reconstruire notre culture moderne, en ayant pour fondement de base de ce qu'est notre propre être, c'est le système africain bantou, qui est le socle, qui constitue le fondamental de la culture. Et nous prenons les apports extérieurs pour rebâtir notre culture. Et donc aujourd'hui, rien ne nous empêche de faire ça. Je vous donne juste un exemple que j'ai eu à vivre dans l'avion qui m'a mené en Afrique du Sud. Il y a des années, vous allez vous souvenir, c'était à peu près en quelle année? Les Sud-Africains qui étaient à côté, ils discutaient, ils disaient, mais vous, vraiment, les Congolais, vous nous décevez terriblement. Nous n'avons même plus de territoire pour nous. Tous ces pays australes là-bas, nous n'avons pas de pays. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas une tribu qui peut dire que nous possédons une terre comme chez vous ici. Et nous, on admirait votre société, on cherchait comment on peut vous emboîter le pas. Mais maintenant, vous venez de faire une bêtise. J'ai dit, mais c'est quoi, monsieur? Il dit, non. La loi que vous aviez avant, la loi foncière, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Maintenant, nous cherchions à ce que vous reformuliez encore en disant, le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État et aux communautés autochtones, c'est-à-dire aux communautés natives des ayants droit. Comme ça, chaque décision à prendre, l'État, il dit, moi je voudrais qu'on aille comme ceci, mais il demande aussi aux autorités autochtones de quoi. Nous, nous voulons faire ceci pour l'intérêt général. Qu'est-ce que vous en pensez? Les convaincre et aussi nous donner le point. Mais maintenant, vous dites à l'État. Et l'État en question, animé par qui? Par des générations de justement que nous déplorons là. Quand il suffit que quelqu'un vienne de l'extérieur, que non, moi je vais faire ici, je vais gagner ceci, toi aussi tu auras ta part autant. Il lui cède. Vous avez là manqué vraiment de respect à vos ancêtres et vous avez tout gâché. Bon. Vous voyez là, c'est ce que vous avez dit quand vous m'avez dit que non. Là, nous sommes allés régler un problème de conflit foncier. On nous a dit il faut nous référer à un. Il n'y a plus, quand vous lisez la loi, il n'y a plus de référents. On ne se réfère plus. Ces gens-là, on leur a repris tout. D'accord. Il y a même aujourd'hui, on dit la communauté de chefs coutumiers. Mais pour faire quoi, je ne sais pas. Donc il faut qu'il y ait une communauté de chefs des autorités traditionnelles qui ait réellement un pouvoir, parce que ce sont eux, c'est auprès d'eux que le roi Léopold II a pris des terres. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on devrait ajouter pour dire à ceux qui se demandent, qui se posent la question de savoir s'ils font partie de l'intelligentsia ou pas? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qui veut... Pour répondre à cette question, qui fait partie de l'intelligentsia? C'est quelqu'un qui est intelligent, nous l'avons déjà dit. Oui, intelligent, mais quelqu'un qui sait résoudre les problèmes de la société. De la société. Là où il est, problème local, solution locale. Et parmi ceux qui apportent des solutions par rapport à la société, à ce moment-là, il fait partie de l'intelligentsia. Cependant, on peut résoudre les problèmes par rapport aux référents. Mais aussi, on peut partir des référents pour construire une nouvelle dynamique innovatrice qui permette d'avoir des nouvelles solutions par rapport aux anciennes solutions. C'est-à-dire, par exemple, tous ceux qui font des initiatives,
les glorifier, leur donner toute la respectabilité, toute la valeur. Alors que nous, il faut attendre que quelqu'un puisse prendre le modèle européen, l'implanter ici pour qu'on dise, lui, il est intelligent ici. Non, les gens qui apportent des solutions dans le milieu dans lequel ils vivent, d'abord, nous permettent de garder nos devises par-devers nous, au lieu de les mettre à la disposition de l'extérieur. Tout à fait. Continuez pendant une minute et je donne la parole à ma collègue. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus pressant que nous puissions photographier, fouiner les différents référents. Et une fois que chaque société, chaque communauté fouine ses référents, il s'est identifié des hommes et des femmes qui sont capables d'appliquer ces référents. Cependant, il faut, au partir de ces référents, pour les théoriser, ça relève de ceux qui déclarent être diplômés, initiés à la recherche, théoriser, mais moderniser. Et les mettre sur la place publique, sur la place internationale. De telle sorte que ça devienne nos méthodes à nous, où nous pouvons vendre. Pourquoi nous ne mettrons pas nos think tanks pour apporter ce que nous avons. On va y revenir. Maître Magala. Merci, justement. Quand j'ai suivi la révolte qu'il y avait dans le discours du doyen, ça m'a rappelé ce que je venais de dire. Mm-hmm. Ce qui manque, c'est justement cet amour de la patrie. Mm-hmm. Cet amour inépuisable, je dirais, et même désintéressé, qui ferait que les gens arrêtent d'agir comme ils le font avec légèreté pour des solutions qui concernent toute une nation. Quand vous posiez tantôt la question de savoir qui font partie, les gens se posent des questions. Mais justement, ce n'est pas lié à l'âge. C'est lié à la prise de conscience. Mm-hmm. C'est-à-dire, on peut être étudiant, mais étudiant sérieux, qui prend conscience de ce qu'il connaît et de ce qu'il peut apporter à la société, est déjà commencé. Ce n'est pas une génération spontanée, c'est un cursus. Donc, il peut déjà être un candidat sérieux qui peut déjà apporter quelque chose à la société. Je prends encore un exemple. Je parlais tantôt des aveugles qui pullulent dans notre cité. Est-ce qu'il y a déjà eu une étude pour savoir pourquoi il y en a autant sur la seule place de Kinshasa? Ça dit qu'il doit y avoir un problème en amont qui fait qu'on en produit plus à Kinshasa qu'ailleurs pour commencer à chercher des solutions. Mais nous nous sommes arrivés sur des solutions spirituelles, Kindoki. Et c'est pas normal, c'est un raccourci trop facile. Alors qu'on devrait se poser des questions sérieusement pour savoir de qu'est-ce qu'il en retourne, pourquoi il en est ainsi. Il n'y a pas que ça. Il parlait tantôt des terres. Nous avons renoncé à notre patrie. Nous disons, l'État exerce une souveraineté. Mais non, ça appartient à l'État. C'est comme ça que nous avons un désordre très très élégant dans ce secteur là où vous vous réveillez le matin, le ministère des affaires foncières a fait un lotissement et puis l'urbanisme dit qu'on ne peut pas construire. Bon, on fait quoi? Et puis quand vous plaignez, on dit en fait les chefs coutumiers ont dit. Mais finalement on est dans quoi? Alors que nous pouvons proposer des solutions qui existent même dans les lois anciennes. Mais il y a un défi politique. Il faut donner des postes à tout le monde. On scinde même ceux qu'on ne devait pas scinder. Et on se retrouve dans des cas de conflits comme ça. Non, l'intellectuel s'est tué. Ce n'est pas normal. Il doit pouvoir parler. Cette liberté-là d'expression qui devrait être la sienne ne peut pas être étouffée par la perte de certains avantages matériels. C'est-à-dire que si je le dis, je vais cesser d'être. Non. Alors, on va vous donner raison. Galilée est là. En fait, il y a aussi un problème. On a déconstruit notre société, je répète encore le terme. On nous a même appris à ne pas nous aimer, à ne pas aimer. C'est pour cela que quand quelqu'un fait quelque chose au village, on a honte de venir le présenter, le mettre devant les feux des caméras, parce qu'on préfère apprécier ce qui se fait ailleurs. Mais les Chinois qui viennent de rattraper le reste, ils ont fait cet exercice et ils y ont réussi. Et nous, je suis absolument certain que si nous étions solidaires,
on serait déjà parti pas plus loin que les Chinois, on aurait fait du chemin. Il nous reste 9 minutes. Ok. Jean-Pierre, juste, je prends là où vous venez de vous arrêter. Si aujourd'hui je voudrais me rendre, je viens par exemple de Brazzaville, je dois aller à Lembayimbo. Montrez-moi le chemin. Et quelqu'un me prend une carte et me dit, voilà, vous allez jusqu'à Djili, vous entrez, tout, et vous partez là-bas, voilà, le croquis, et je prends ma carte avec la voiture, la jeep, je pars. Mais là, je dépasse Djili. Et je suis déjà vers Anselé. Je vois la route de Kikui, qui va à la Bandundu. Je vois la route de Maluku. Je pose la question aux gens. Je vais aller à Djili. C'est par où là, la route au Maluku? Ah, mais vous l'avez déjà dépassé. Vous allez dire non, puisque j'ai déjà dépassé la route et tout ça. Je suis sur la route de Bandundu. Bon, laissez-moi aller à Bandundu. Je vais faire ça. Et je prends la route. Non. Non. Et alors, c'est justement pour répondre à ce que vous venez de dire ici. On nous a appris que, on nous a dérouté par le système d'éducation, par je ne sais pas d'autres systèmes de pensée, de spiritualité, etc. Mais au partir du moment où nous nous rendons compte que nous sommes trompés, eh bien, il faut retourner jusqu'à Djili, prendre la route de Djili Brasserie. Et cet effort-là, nous n'allons plus chercher le monsieur qui nous a trompés pour dire que tu nous as trompés, maintenant nous avons. Non, c'est à nous de le faire. Je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir corriger l'itinéraire. Et là, les think tanks peuvent servir à quelque chose. Il faut des gens qui réfléchissent. Et ici, pour faire un think tank, on va dire, bon, le budget serait de combien? Non, pour nous réunir, nous ici, quand nous réunissons ici, il y aurait le budget de combien? Jean-Pierre, c'est combien le budget? Il faut nous le dire. Non, pour bien faire, on ne doit pas renoncer, on ne doit pas conditionner cela à quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un problème de santé. Mais on ne doit pas. Donc, on devrait avoir des think tanks, ce qu'on trouve ailleurs, par exemple, autour des décideurs, à tous les niveaux. On devrait, dans d'autres sociétés, on a les mentors, on a les coachs pour vous aider à poser des actes. On a des conseillers qu'on a, comme je venais de donner un exemple ici. Les conseillers, là, la plupart de ceux qui utilisent des conseillers, que ce soit à tous les niveaux du pouvoir, je ne veux pas. Mais c'est qui aussi des conseillers? On prend un conseiller comme un employé. Et comme un employé, il vient chercher son argent parce qu'il va trouver du travail ou pour avoir l'argent. Et puis il a peur. Et il a peur de vous dire de la vérité. De vous contredire. Il ne peut même pas vous contredire. Il vient pour son argent. Mais il faut des gens, des think tanks, parce que les think tanks, des mentors, quelqu'un qui vous dit c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. Il travaille et il met toute sa réflexion en perspective. Et quand il vous les explique, et ben ça coule comme de l'eau de roche. Il peut parler dans ta langue ou dans celle de nos. Il n'y a que nous deux qui n'avons pas brandi nos deux langues, mais nous les brandirons. La fois prochaine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On n'a plus beaucoup de temps. Oui. Je voudrais qu'on fasse deux petits... Non, je pense que c'est déjà le début des commencements quand nous discutons de ces questions. Je voudrais vraiment saluer l'exemple du doyen lorsqu'il dit qu'il faut rentrer à Djili pour prendre la vraie route. Mais quand vous prenez la vraie route, mais il faut avoir... Parce que quand vous avez dépassé, c'est que vous n'aviez pas de repères. Alors maintenant, il faut poser les repères. C'est très important. Et les think tanks deviennent intéressants par rapport à ça. Mais n'oubliez pas que si nous n'avions pas eu de repères, c'est parce qu'effectivement, c'était une volonté délibérée de celui qui a été en contact avec nous, qui voulait profiter de nous et qui nous a placés dans une situation pour que nous ne sachions pas de repères. Quand nous prenons les think tanks, nous pouvons utiliser au maximum les ressources locales. Parce que des think tanks internationaux sont connus aujourd'hui comme des instruments de pénétration pour construire l'ancrage des anciens systèmes qui ont fait que nous soyons infantilisés. Et donc, nous avons besoin de think tanks, mais que ce soit des think tanks, des hommes et des femmes qui ont pris conscience des questions que nous posons et qui intègrent naturellement la vision politique de la chose, parce que croyez-moi, revenir, construire des politiques, ça relève des prérogatives de l'État.
Et les think tanks, je ne vous coupe pas la parole. En fait, ici, chez nous, le problème qui se pose, c'est que nous sommes toujours dans une sorte de bagarre qui va gagner. Dans les think tanks, on parle, on n'a pas peur de qui que ce soit. On fait parler d'intelligence. S'il faut contredire le chef qui dirige les think tanks, d'ailleurs, généralement, ce sont des collègues, on n'a pas peur de sa place. Si je dis ça, il va aller... Non, on fait parler librement sa pensée, son intelligence, et c'est ça qui peut bénéficier au pays. Mais oui, justement, parce que ma profession de consultant, j'ai eu à participer à des think tanks. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, il faut faire attention. Les hommes et les femmes qui travaillent à ces think tanks sont des hommes qui ont été formés dans un système bien déterminé et qui n'ont que des réponses par rapport à ce système-là. Et ce système est un système d'infantilisation. Il faut faire beaucoup d'attention. Raison pour laquelle j'ai dit, pour y arriver, certes, les think tanks deviennent des outils, les béquilles pour monter l'escalier, mais il faut que ce soit une politique volontariste du pays qui dit, cherchons des idées, mettons en place des laboratoires qui nous permettent d'avoir une boussole et qui déterminent notre avenir. À ce moment-là, même les think tanks, quand ils viennent, parce qu'ils sont généralement, quand c'est international, vous savez que ça se fait en termes d'appel d'offres. Oui. Et d'ailleurs... Moi, je regarde leur attention. Ça se fait en termes d'appel d'offres. Et généralement, appel d'offres, on va vous dire, au lieu que c'est le gouvernement qui prend leur initiative pour qu'on mette en place les think tanks, ça va faire le bailleur de fonds. Et il dit, une expérience internationale. Et quand il s'agit d'une expérience internationale, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. D'accord. Et qui savent qu'ils bien doivent travailler pour... C'est bien compris. Alors, Maître Makala, ce serait votre conclusion. En résumé, je dirais ceci. En fait, l'intelligentsia, c'est cette minorité spécialement consciente qui doit suppléer au manque d'éveil de la masse. C'est-à-dire, quand toute la masse est silencieuse parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, au moins l'intelligentsia doit pouvoir sonner les alarmes, donner la direction. Aujourd'hui, nous sommes tous silencieux devant un problème qui est en train de pointer à l'horizon, c'est le problème Wewa, qui est en train d'évoluer en une milice non contrôlée. On ne peut pas se taire parce qu'il nous aide à arriver. Non, c'est un problème qui est en train d'arriver, qui est en train de venir. Et nous, dans le cadre des recherches et des solutions de proximité, on doit déjà pouvoir tirer l'alarme pour que ceux qui dirigent sachent qu'il faut régler ce problème dès à présent. Sinon, dans 5 ans, ça sera incontrôlable. D'accord. Merci. Oui. Kibambi, nous avons besoin des hommes et des femmes qui se constituent des bandes de bases de données, des solutions qui ont réussi dans le passé, dans tel et tel domaine. Et ces hommes et ces femmes deviendront des référents. Chaque fois qu'on veut résoudre ce problème, celui-là, il possède une somme de connaissances, une somme de solutions qu'on avait utilisées par le passé. Évidemment, ce sont des solutions qu'on nous renouvelle en fonction des nouvelles données. Et ceux qui sont des référents, ils doivent prendre conscience d'être une conscience communautaire, d'être un référent. De sorte que le référent traditionnel comme ça, il avait conscience de ne pas mentir ni faire de gaffe parce qu'il se déshonore non seulement lui, mais toute la famille. Et c'est ce qu'on appelait, par exemple, dans le... chez comme ça, chez les Bantous, l'Enganga Kissi, l'Enganga Ngombo, l'Enganga Susi, et l'Enganga Mayele. Il nous faut l'Enganga Mayele. Et ce qu'on appelait l'Enganga là sont des spécialistes en. Merci. Des experts en. Merci. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons connaître, nous qui prétendons être d'intelligence, il y a le bien et le mal. Et quand de temps en temps vous commettez le mal, savoir que vous commettez le mal et que ce que vous faites n'est pas bon. Ne serait-ce que ça, le savoir et le répéter. J'ai fait ça, mais j'ai mal fait. J'ai fait ça peut-être pour telle raison, mais j'ai mal fait. Je vois que vous êtes en train d'écrire quelque chose. C'est pour vraiment mettre... Allez-y. Ils se font des référents du mal.
Voilà. Parce que les autres générations, les autres, non, je vais faire comme cela parce que Charles César et Pamba. Donc, ils deviennent des référents. Oh, ils viennent pour commander la preso, preso de soi. Pourquoi tous les jeunes font ça? Parce qu'ils se réfèrent. C'est pas, la référence n'est pas seulement pour le bien, mais aussi pour le mal. Voilà. La dernière minute de l'émission, elle a été prise par la gourmandise de notre ami Mobimba. Mais puisque c'est dans le sens du bien, et nous lui avons donné 7 minutes et c'était bien fait. Merci d'avoir suivi ce programme, mais je vous remercie, et particulièrement ceux qui sont venus apporter leur pierre à l'avancement de ce programme que vous êtes nombreux à suivre à Lubumbashi, Kolwezi, à Kananga et partout ailleurs à travers le monde. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.